Je suis folle comme la colisse de marde. Je suis folle comme la colisse de marde. Hey! Comment ça va? Comment ça va, les chums? Je pense sincèrement que c'est la plus belle journée de ma quarantaine et je m'en vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, c'est pas une journée spéciale. Comme vous avez pu le remarquer, je me suis mis cute parce que ce n'est pas une journée spéciale. Est-ce que c'est une journée spéciale? Oui, c'est une journée spéciale, mais je m'aime aller tabarnak. Je recommande! Aujourd'hui, les chums, je me suis mis cute parce que c'est une... roulement de fenêtre. Journée spéciale! Honnêtement, c'est genre la plus belle journée de ma quarantaine. Je suis vraiment excitée. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête à mon petit frère! Mon petit frère! Mon frère pas grand! I'm feeling good! Because it's the birthday of my petit frère! Hey, je me suis levée le matin et je me suis dit, Chris, c'est la fête à mon petit frère. Genre, c'est sa motherfucking fête. Pis, pas parce que je suis loin que je vais pas le célébrer. Oh que non! Et je me suis dit, quoi de mieux que de faire un gâteau pompette pour la fête à mon frère? Fait que là, regardez ça! Je me suis comme maquillée aujourd'hui, puis je me disais, tu sais, c'est une journée spéciale, je vais me mettre belle. Puis après ça, je me suis dit, à quel point que ton frère en aura absolument rien à chier, que ce soit mis belle pour lui. Ben oui! Fait qu'aujourd'hui, les chums, ça va être la plus belle journée de ma quarantaine. On fête mon frère, puis on va y faire un gâteau de fête pompette. Pompette tout seul! Je pense qu'on va avoir bien du plaisir. Ouais, ouais, je pense pas que je vais faire honneur à ma famille, parce que je compte boire pour vrai. Oh que si, ma chum, je me suis munie de quelque chose. Du gin! Fait qu'on va se faire des shots de gin, ça risque d'être violent. Ça risque de rentrer au poste, mais regarde, hein, regarde. C'est la fête à mon frère, c'est sa fête de 17 ans. On ne peut que le célébrer une fois. Et moi, vu que je ne suis pas là, je compte ne pas m'en rappeler en vidéo. Yeah! Êtes-vous prêts? Je pense que je suis pas prête. Honnêtement, je pense que je suis pas prête. L'essentiel, là, dans une recette pompette, je l'ai toujours dit, c'est d'être pompette. Parce que dans la phrase recette pompette, là, on s'entend-tu que le mot le plus pertinent, c'est pompette? On s'entend-tu que le mot recette, on s'en crisse? Sauf que là, c'est pas parce que l'objectif c'est quand même de faire une vidéo pour la fête à mon frère, ma chum. Fait qu'il faudrait au moins que tu réussisses à faire un gâteau. Parce que si tu réussis juste à être pompette, je pense que ton frère va être un peu déçu. Fait qu'on va essayer de pas être trop pompette. Qui m'a cru? Commençons cette recette pompette avec un petit shooter. Honnêtement, là, on va dire les vraies choses. Moi, je compte boire, mais c'est la fête à mon frère, donc j'ai le droit. Mais faut toujours boire avec modération. Donc faites ce que je dis, pas ce que je fais. Faites ce que je fais, pas ce que je dis. Hein? Déjà l'expression. Faites ce que je fais, pas ce que je dis. Bah, vous laissez donc faire, tabarnak. Buvez si vous avez envie, Chris. Tabarnak de calice. Fait que santé, mon frère, à tes 17 ans. Je te fais un gâteau, mon chum. Tu vas voir, t'en créeras pas tes calices de yeux. Santé! C'est parti. Bon, on va chercher les ingrédients. Premier ingrédient pour faire un gâteau. Ça prend une bière. À date, les ingrédients, ma chum, c'est de l'alcool. Ah, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Elle est pas terrible, pas terrible. Je dois l'avouer, ça me stresse un peu de faire une recette pompette tout seul parce que je suis meilleure pour être pompette que faire une recette. Puis habituellement, les recettes pompettes que j'ai faites sur ma chaîne YouTube, on va se dire les vraies choses, c'était fucking pas moi qui faisais la recette. Pas utile pas tout. Fait que j'ai décidé de me simplifier la tâche en achetant un gâteau blanc. C'est vraiment ça le nom du gâteau, je trouve ça correctement plat. Oh my god, il y a un écureuil sur le balcon. Ben, un gâteau déjà prêt. Mais il est pas déjà prêt, mais il est déjà, ben, il est dans sa boîte. Un gâteau dans sa boîte. Mais faut le faire quand même parce qu'il est pas directement dans la boîte. T'sais, je vais pas ouvrir la boîte puis t'attends le gâteau avec là. Faut quand même le faire avec de gâteau. Pardon, monsieur écureuil! Ça, là, ça, c'est ça, là. J'ai acheté ça parce que c'est du crémage mauve, rose et bleu pâle, pis c'est marqué fashion mode. Regardez, fashion mode. Pis je pense vraiment pas que ça représente mon frère, fait que je pense que ça va le surprendre. Pis le but de la vidéo, ben, c'est de le surprendre. Fait que Luca, t'es-tu surpris? Dis-moi que oui. Non, j'ai acheté du crémage. Ouais, j'ai acheté du crémage à la vanille. Il se pourrait, ça c'est vraiment les rumeurs qui courent. Il se pourrait que j'y aille goûté hier. Mais c'était pour voir la qualité. C'était pour voir la qualité. C'était pas parce que je suis une grosse calice de trouille en quarantaine qui fait absolument rien à pas manger. Non! Hey, je sais pas si vous savez c'est quoi ça, du Eagle Brand. Ben moi je sais c'est quoi. Puis je trouve ça vraiment bon. Fait que je me suis dit si je mélange un peu de crémage avec du Eagle Brand, ça va être calice bon. Fait que j'ai des petits bonbons, des petits bonbons, des petits bonbons, des petits bonbons, des petits bonbons! On s'entend-tu pour dire que pour commencer la recette, ce serait bien de prendre un autre shot. Alors, mon très cher frère, another shot for you. Ok, ça dit préchauffer le four. Parfait, c'est fait, c'est fait. Ça dit que ça prend de l'eau, de l'huile végétale puis des œufs. Et on dit 3 œufs. De l'huile végétale. Ok, so now we have the first problem. The problem is the suivant. J'ai pas de calice de gros plats. Fait que je pense que je vais prendre ma cancerelle. Ça vous coûte un pli sa poche? Est-ce que vous préférez voir, mais pas voir mon bout de tête? Ou voir mon bout de tête, mais pas voir? Dites-le dans les commentaires. Ok, les côtés, le fond, le blanc, le premier, le... Quoi? Ça prend une tasse d'eau.
Une tasse. Voici une tasse d'eau. Ça la prend. On va la mettre là-dedans. 1 sur 3 de tasse d'huile végétale. 1, 2, 3. Fait que ça. Fais-tu du calice de sens? Je le sais bien. Tout ça dans mon gâteau d'huile. Ok, ensuite, ça dit 3 œufs. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Vous ne comprenez pas? Il y avait 2 œufs dans mon œuf. 2 œufs dans mon œuf. Ben là, hey, attends, ça va pas bien, là. Oh, ben. Oh, tabarnak! Toutes mes œufs ont 2 jaunes. Regardez, j'ai en échappé un, puis on a encore un là-dedans. C'est quoi le problème? Ça, c'est fucking nice comme étape. Je suis fucking excitée. Tu vois, si tu fais ça. La merde. Direct en partant. Hey, ça va pas bien. Oh oui, brasser. Ok, mais avant toute chose, prends un shot. Fait que maintenant que j'ai tout collissé dans le casserole, shoota! Non. Oh! Ben, ouais, c'est vraiment cool pour elle. Hey, le foie, il va bien. C'est un bon achat. Oh! J'ai beaucoup trop de plaisir. Oh my god! Mon frère, ça c'est pour toi! I'm feeling good! Like a should! Y'a pas de moton dans mon gâteau! Non! Fuck you les motons! Monsieur Gâteau, voulez-vous pas me dire? Mais ça, vous êtes mou! Y'a-tu marqué qui est mou dans le gâteau? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Ok, il disait 3 gros. J'ai chié mon gâteau! Je te crois pas. Les chums, ça va pas. J'avais une responsabilité, c'était de lire les ingrédients comme il faut. Moi, j'ai juste lu 3 œufs, mais c'était 3 blancs d'œufs. Mais là, moi, j'ai collissé du jaune d'œuf dedans. Ça fait quoi? Ça fait-tu quelque chose? Ah! Oh, là, j'arriverais même pas à faire un beau gâteau pour mon frère. Encore, Lynn, je suis vraiment déçue de moi, pour vrai. 3 ingrédients sur un paquet, pas capable de lire, moi. Là, je me prépare à voir parce que moi j'écoute Nailed It, je sais pas si vous savez c'est quoi, mais c'est une émission de monde qui sont nuls à chier, un peu comme moi pour faire des gâteaux. Puis ils oublient tout le temps de graisser le moule avant de mettre le gâteau dans le moule et ça finit tout le temps que le gâteau colle. Mais moi là, je me suis fait avoir pour les œufs, je me ferais pas avoir, je vais graisser mon moule. Bon, mais ça fait du sens là en termes de graissage de moule. On va quand même pas perdre espoir, ok? Parce que l'espoir c'est ce qui fait en sorte. Il y a peut-être une possibilité qu'on ait un gâteau. Wow! Quand même! C'est satisfaisant. Fait que là, ça dit de mettre le gâteau le nombre de temps que ça prendra. Tabarnak, c'est ça qui est écrit. Hey, mes cheveux sentent bon, ça me pique une boule. Qu'est-ce qui se passe? Oh my god! Ça me fait rire! Non, mais c'est pas des jokes. Ça me fait vraiment rire. Prends un shot sans utiliser mes mains. Et le shot est là. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il est ici. On va le prendre ça en main. Honnêtement, je suis vraiment désolée, je me sens déjà vraiment pompette. À savoir aussi que depuis la quarantaine, je bois pas tant. Fait que là, après déjà 5 shots de gin, je me sens plus, en fait. Ça, c'est clair. Ben, je vais appeler Marie, puis je vais lui dire quelque chose. Je vous avouerai que j'ai déjà envie de chier un tas. Oh non. Oh, j'ai envie de caca. Marie! Je suis saoule! Oui! C'est la fête à mon frère. Quel âge? 17 ans, Chris. Ooh. Oui! Marie, dis bonne fête à mon frère. Bonne fête, Lucas! Ya! Ya, ya, ya! Honnêtement, je suis saoule au point que j'ai juste envie d'aller me toucher. Ben, moi aussi, sérieux, genre, take that time. Genre, ouais! En plus, mon gâteau est cuit, fait que juste aller me toucher puis je le dis pas. Tellement. Je pourrais essayer d'appeler des amis à mon frère. C'est parce que c'est quand même une vidéo pour mon frère. Allô, Justine. Moi, cette question-là, je suis pas saoule. Pourquoi personne me répond? Si Étienne me répond pas, là, je fucking vais chier. Je vais chier. Pas toi, Étienne. Je vais chier. Parce que je suis plus capable. Bon! Étienne n'a pas répondu, je m'en vais chier. Bye! Allô? Ça va, toi? Bonne fête, Lucas, on t'aime! Ben, ok. Mettons que t'as un souhait à dire à Lucas. Qu'est-ce que tu lui dis? Moi, je souhaite du bonheur, du bon amour. Tellement! C'est juste ça qui compte. Ok, j'espère que ta quarantaine se passe bien. Ah, merci, Sophie. Ok, bye. Fait qu'on va appeler une autre des amies à Lucas qui s'appelle Justine. Allô? Allô? Ça va? Oui, toi? Oui? Ben là, dans le fond, je tourne une vidéo pour la fête à mon frère. Je me disais, est-ce que t'es une amie à mon frère? Ouais.
Ok, est-ce que tu veux dire bonne fête? Oui. Ok. Luca, c'est Justine. Bonne fête! Oh! Bonne fête, Luca. Ok, puis mettons que t'avais un souhait à y dire. Qui commence à skater avec nous autres. Ouais, mais mon frère est pas sportif ou c'est moi? Non, il est pas sportif. Luca, tu pourras pas dire que j'ai pas... Je sais même pas ce que tu pourras pas dire, mais tu pourras pas le dire, ok mon chum? J'ai tout donné pour toi. Je suis seule, pis je te célèbre parce que tu es extraordinaire. Fait que santé! Oh, tabouin, c'est pas prêt pantoute, checker ça! On dirait qu'il y a de la morve dans ma fourchette. C'est synonyme de c'est pas prêt pantoute, ma chum. Que la quarantaine nous fait du bien, puis nous fait réaliser qu'est-ce qui est vraiment important, puis la famille, c'est vraiment important. Et voyons, je suis vraiment émotive. Tu sais, moi, je suis déménagée à Montréal il y a 5 ans, puis je me suis quand même éloignée de ma famille, veux pas, parce que j'étais pas tout le temps là. Puis je pense que j'ai fait ressentir à mon frère que j'étais pas là, parce que moi et mon frère, on se donne pas beaucoup de nouvelles, puis on s'appelle pas. Puis je trouve ça vraiment triste, puis j'espère vraiment dans l'avenir, Luca, qu'on va être plus là l'un pour l'autre, parce que pour moi, t'es ma seule famille avec maman, puis je t'aime vraiment d'amour, puis j'aimerais ça que tu le ressentes pour vrai. Puis je m'excuse, je m'excuse de pas être là, mais je t'aime, puis je te fais un gâteau, même s'il va peut-être pas être bon. Je te souhaite vraiment une bonne fête, puis bisous. Est-ce que vous pensez que le gâteau est prêt? Moi, je sais pas. J'ai oublié que je faisais un gâteau. Je pense qu'il est prêt parce qu'il n'y a rien sur ma fourchette. Je vais sortir le gâteau, ça je vais dire. Regardez, le gâteau! Il était en train de brûler. Oh non! Est-ce qu'il faut laisser refroidir le gâteau? Refroidis le gâteau. Luca, c'était un hostie de beau pet de qualité. Si tu ne reconnais pas la qualité dans le pet, t'es pas mon frère. It's time to put the gâteau right here for the decoring the gâteau. Si j'ai pas trouvé une spatule. Ah! J'espère qu'il est assez cuit parce que c'est pas... Ben, il a l'air assez cuit. Il y a même l'air brûlé, on va vous le dire. Là. Hey, est-ce que je dois juste le tourner de même? Je te crois pas! Je te crois pas! Wouh! Il est peut-être trop bronzé, mais ça reste le plus beau gâteau ever! What the fuck? Oh my god! Hey, je suis pas prête à le décorer le tabarnak de gâteau. Il faut mettre le crémage! Ok, commençons par une grosse quantité de crémage que je vais te mettre sur le gâteau, mon frère. Hey, honnêtement, la forme du gâteau, j'ai jamais vu de pas de beau de même. C'est quasiment romantique. On dirait un gâteau fait par amour. Ben c'est exactement ça en fait. Yo, j'ai jamais mieux dit que ça. C'est un gâteau fait par amour. Fait que c'est clair qu'on dirait un gâteau fait par amour. Mon frère va tellement être fier. Il mangera jamais, mais il va être fier. C'est l'important. Luca, Luca, look de gâteau. Je suis vraiment bonne. Je vais y aller vite. Okay. Oh my god. Oh petit 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 petit
si laid mon gâteau, tu vois bien? Ben, tu vois pas en fait. Mais genre, je te dis, il fait du sens. Je pense que mon frère va être content. Ah, oh, j'ai trop hâte de monter. Va aller pisser, on se reparle. Birthday. Ah, ben ça donne bien parce qu'ils ont mis en ordre. Fait que j'ai pas obligé de checker sur Google. Ça donne bien quand même. Happy birthday. Ah, c'est laid mon tabarnak de gâteau de marde. Fuck you, man, le gâteau. Fuck you, man. Oh my god, c'est le gâteau de fête pour mon frère. Il est pas laid quand même. Il est pas beau, mais il est pas laid quand même. Là. Faut se dire les vraies choses. De toute ma vie, j'ai toujours fait le même souhait. Puis je pense que je vais te souhaiter le même souhait. Parce que c'est le plus beau souhait. En fait, c'est la seule chose qui est importante dans la vie. Fait que je vais te souhaiter la même chose que je me souhaite toujours à toutes mes fêtes. C'est d'être heureuse. Faut pas dire. Oh fuck, j'ai eu des chandelles. Ok, je t'aime mon frère. Bonne fête. Luca, il est temps de goûter ton gâteau. I need a fucking couteau. What is couteau in English? Couteau. No fucking way. Ok, mon gâteau est loin d'être pas bon. En ton honneur, Luca! Oh my god, en ce moment, j'aimerais juste écrire à Kevin Parent pour lui dire: Kevin Parent, I'm single! Do you wanna. Kevin Parent. Il y a quel âge, Kevin Parent? Kevin me le dit, moi, je suis beaucoup là. Ok, maman, tu as vu la vidéo, je suis saoule, mais c'est pour une bonne raison. C'est pour la fête à mon frère. Et puis frère, si tu as vu ma vidéo, c'est pour une bonne raison, c'est pour ta fête. Vous, si vous avez vu la vidéo, c'est pour une bonne raison, c'est pour la fête à mon frère. Donc, likez la vidéo pour la fête à mon frère. Écrivez en commentaire, bonne fête frère. Hashtag Luca, parce que c'est son nom, il s'appelle pas frère. Puis, si vous voulez d'autres fêtes de frères, ben dites à mon frère de vieillir plus vite, parce qu'il vieillit juste une fois par 365 jours. De temps. Bye! Et ne buvez pas autant que moi, buvez moins que moi, mais quand même, soyez heureux de quelque chose. Non, parce que t'es seul tout seul. Mais au moins, t'as fait un beau gâteau.